par la bouche de l'apôtre Pierre, soyez saints dans toute votre conduite, comme celui qui vous a appelé saint. Tu nous as donné cette sainteté des positions dès l'instant où nous avons accepté Christ. Mais tu veux chaque jour qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions te laisser travailler en nous pour que cette sainteté des positions devienne une sainteté des conditions. Saint, saint, saint. Tel est ton attribut, si je peux me permettre de dire principal. Mais tel est le principal attribut que tu aimerais aussi que nous, ton peuple, nous puissions avoir. Bénis cette heure, bénis ta parole, qu'elle soit esprit et les 12 autres qui vont nous servir pour aborder la troisième leçon de cet enseignement. Matthieu au chapitre 7, verset 24. Au verset 29e. Et vous allez nous excuser, vous vous rendrez compte que sur le papier que nous vous donnons, il y a eu une erreur, c'est le passage des dimanches passés qui s'est accidentellement retrouvé, donc prenez le temps de noter les bons passages. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après qu'il eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Lisons Genèse chapitre 25, verset 29, au verset 34. Le 25e chapitre de Genèse, verset 29e, au verset 34. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Nous lisons aussi le deuxième livre de Samuel, chapitre 11e, les versets 1er. Jusqu'au verset 4e. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uriel et Étienne. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifié de sa suure. Elle retourna dans sa maison. Il y a 2 semaines avant que 2 orateurs extérieurs à Philadelphie viennent, chacun nous apportait un merveilleux message. Nous avons entamé ce partage sur les choses qui résistent et qui demeurent. Les choses qui résistent et qui demeurent. Et en débutant cet enseignement, ces jours-là, nous avons parlé d'un certain nombre de choses, toujours bon que nous puissions nous rappeler afin de nous mettre au pas et puis continuer. Et parmi les choses que nous avons mentionnées, il y en avait 5 que je voudrais juste rappeler. La première des choses, nous avons dit que ce récit n'était pas un récit réel. Ce n'était pas un fait réel. Mais c'est une parabole, une histoire ou un récit imaginaire.
mais qui a pour but d'enseigner des leçons spirituelles. La seconde chose que nous avons mentionnée il y a 3 semaines en arrière, nous avons dit que dans cette parabole, il y avait 2 personnes posant le même genre d'action, prenant le même type de décision ou se lançant dans le même genre d'entreprise, construire, bâtir, ériger un bâtiment, appeler à l'existence un endroit de confort, un endroit de protection, un endroit de protection, de sécurité appelé maison. Ils avaient des moyens et ils ont dit, je veux l'une ou l'autre avoir quelque chose. Troisième chose que nous avons mentionnée et que je trouvais nécessaire de rappeler en ce jour, c'est que les 2 constructions ont subi le même type d'attaque externe, mais avec 2 réactions différentes. Pluie, vent, torrent se sont battus sur chacune de ces maisons. Mais de la première construction, il est dit après ces attaques, elle n'est point tombée. Elle est restée ferme, inébranlable, malgré les attaques. Les attaques n'ont produit aucun effet négatif. Mais de la seconde maison, de la seconde bâtisse ou de la seconde construction, il est dit, elle est tombée. Mais il est ajouté, et sa ruine a été grande. Non seulement que cette deuxième bâtisse a subi des attaques, mais un adjectif est associé. Elle a connu une ruine et une ruine grande. La version française courante dit sa ruine a été complète. Rien n'a été laissé. La version parole de vie dit elle a été complètement détruite. Impossibilité de retrouver l'état antérieur plaisant. Rien à récupérer. Perte totale. Définitive, situation irréversible. 4e chose que nous avons eu à mentionner, c'est qu'à la fin, bien que cela n'apparaisse pas, on peut voir ou entrevoir 2 attitudes. On sait voir la joie et même la fierté pour celui qui a bâti sa maison sur les rocs. De voir que non, il s'est dit, ça valait la peine, les choix que j'ai eu à faire. Heureusement que j'avais pris en considération certaines choses. Heureusement que je suis allé dans cette direction. Il a dû dire, j'ai levé les bonnes options et je les ai levées au bon moment. Mais on sait aussi entrevoir la tristesse, les regrets, la honte, la culpabilité et même les sentiments de gâchis ressentis par la deuxième personne. Grande douleur d'avoir mis moyens financiers, temps et même énergie pour quelque chose d'irrécupérable, totalement perdu. Et je puis m'imaginer, cette phrase devait résonner dans son cœur, si j'avais su. Si c'était à refaire, je ne ferais pas la même chose. Si seulement la vie était à refaire, je ne poserais pas les mêmes actes inconsidérés pour avoir les genres de conséquences que j'ai eues. 5e chose que nous avons eu à mentionner, je n'ai su que dans les rappels. Nous avons dit que les résultats positifs et satisfaisants de l'un, ainsi que les résultats négatifs et traumatisants de l'autre, résultats qui ont entraîné la perte, nous avons dit que les 2, c'était des moissons. Ils ont eu à poser des arbres qui étaient comme des semailles. Et l'une ou l'autre de ces personnes a eu à moissonner. Et par rapport aux résultats négatifs, c'est-à-dire la chute, la ruine, la perte, les sentiments de gâchis, nous avons eu à mentionner 3 réalités que je trouve encore nécessaires de rappeler. La première réalité par rapport à ces gâchis, nous avons dit que, premièrement, ces gâchis n'étaient pas une fatalité. C'était évitable. La preuve, alors que lui, il a perdu, à côté, quelqu'un d'autre n'a pas perdu. C'est qu'il y avait moyen de faire différemment. Il y avait moyen de faire mieux. J'aimerais dire que des choses évitables dans lesquelles nous tombons. 2e réalité que nous avons mentionnée, nous avons dit que ce résultat négatif n'est pas arrivé tout de suite. Il a posé des actes à un moment
Il s'est passé du temps, jour, semaine, mois, peut-être année. Mais puis finalement, la bêtise cachée derrière ses choix s'est révélée. Le temps est toujours un révélateur. Le temps révèle la justesse, ou permettez-moi le terme, la bêtise de nos choix. Combien de fois nous allons de manière inconsidérée, et quand nous allons dans cette direction, nous ne voyons rien. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons rien maintenant que nous ne verrons aussi rien. Un jour, nous finirons par moissonner. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Troisième réalité que nous avons mentionnée, nous avons dit que cette perte, ces résultats négatifs, ont sûrement enseigné celui qui a fait les mauvais choix, qui désormais savait ce qu'il ne devait pas faire ou plus faire. Et nous avons dit que l'une des mauvaises manières d'apprendre, c'est d'apprendre avec des cicatrices. Apprendre tardivement. Seigneur, je n'aimerais pas avoir une sagesse, mais en étant déjà marqué. Savoir qu'il ne faut pas tricher, mais en devenant des gens séropositifs. Savoir qu'il ne faut pas faire ceci, mais en portant déjà les cicatrices dans son corps. Et parmi les leçons merveilleuses que ce récit nous cache, nous enseigne, nous en avons mentionné deux. La première leçon que nous avons dit, qui ressortait à l'étude de ces merveilleux récits, c'est que ce que nous sommes influencera et se révélera dans ce que nous faisons. Notre vraie nature influencera chaque chose que nous faisons. Souvenez-vous, nous avons dit que le verset 24 ainsi que le verset 26 nous parlent de deux façons de faire, deux façons dictées par deux identités, deux personnalités et deux natures. Le verset 24 nous parle du choix, de la construction, mais nous montre que ce choix est dicté par la personnalité. Il est dit ceci, un homme prudent. C'est son identité, c'est sa nature. Et parce qu'il est prudent, l'avait dit, il a bâti sur le roc. Ce qu'il est, influence ce qu'il fait. Prudent, avisé, intelligent. Parce qu'il est, il a une nature, il a une identité. Cela se révèle, qui es-tu? Et même si tu fermes ta bouche, tu ne dis pas qui tu es, qui tu es réellement. Nous verrons qui tu es par ce que tu fais. Par ta façon d'élever les options. Par ta façon de prendre des décisions. La version française courante dit un homme intelligent. Alfred Coin dit un homme sensé. Taube dit un homme avisé. Mais le verset 26 nous parle aussi d'un deuxième choix de construction, derrière lesquels se cache aussi une personnalité. On nous parle d'un homme qui a bâti sur le sable. Pourquoi le choix du sable? La Bible dit c'est un homme insensé. Y a-t-il un insensé ce matin ici? Sûrement ce n'est pas toi, c'est possiblement ton voisin. La version parole de vie dit un homme stupide, un homme qui a une lourdeur d'esprit, un homme dénué d'intelligence, dénué de réflexion, un homme qui manque de bon sens, un homme qui manque de jugement, un homme qui souffre d'inertie intellectuelle, un homme pour qui la réflexion est un luxe. La version La Colombe parle d'un fou, très fort comme terme, qui dans son raisonnement et dans son agir va à l'encontre de ce qui est raisonnable, mais qui non seulement ne le sait pas, et même ne le saura jamais. La deuxième leçon que nous avons eue à étudier, qui ressort de ce récit, c'est que pour résister et demeurer, les choses ont besoin de respecter les normes. Il faut respecter les normes. Les choses ne résistent pas au hasard. Les choses ne demeurent pas malgré les attaques fermes au hasard. Il y a des normes. Il y a des normes dans les mariages. Il y a des normes dans les ministères. Il y a des normes pour la longévité. Il y a des normes. Des normes pour être en bonne santé. Le pasteur Vernon me disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Roland, il ne faut pas creuser sa tombe avec ses dents. Il y a des gens qui mangent n'importe comment. Vous savez qu'à un certain âge, il faut commencer à équilibrer des choses. Il y a des gens, ils prennent du thé. On se demande, c'est une sucrerie lui-même ou quoi? Il y a toujours une lie à la fin, un dépôt.
Je me souviens un jour, on était à un endroit, on était en train de prendre du thé. Et puis un papa, il ajoutait encore, il ajoutait encore. On se demandait, mais ça c'est du miel ou du thé? Et puis il s'est retourné vers le jeune homme qui disait, il dit, moi, non, yo, bimoula, n'a découvert Soukane. Comme pour dire, je vais rattraper les retards. Attends. Viens des jours, tu commenceras à te piquer. Il y a des normes à respecter. Il y a des gens qui consomment le sel à un degré. Waouh! Il n'a même pas encore goûté. Hein. Déjà, tu auras des problèmes d'hypo et hypertension surtout. Il y a des normes. Des normes à faire juste un peu d'exercice. Et nous les Congolais, on a des déformations. Je me souviens, c'est chaud, je ne sais d'où ça vient. Je rentre à Nairobi en 98, je trouve tous les hommes au ventre bédonnant. Et ventre bédonnant portant des polos qui serrent. Et ça, ça faisait bien. La graisse n'est pas bonne. Je ne voudrais pas donner, c'est un cours de nutrition ou bien de diététique. Des gens qui prennent un repas copieux à 21h. Un gros foufou, 14 boules. Haricots, 15 Thompson. Et puis à côté, attendre 3 pots de yaourt. Et puis il finit comme ça. La boisson sucrée, là, comment ça s'appelle? Maltina. 4 Maltina. Et 5 minutes après, il va dormir. Et vous savez que tout ce qu'on ne brûle pas comme calories, ça se transforme en graisse. On en a combien dans nos autres à marier? Attends. Je parlais avec quelqu'un au courant de la semaine. On lui a dit, si tu continues à manger les sels, tu vas mourir. Et le pasteur Vernon me disait, tout déséquilibre en termes alimentaires, qu'on commence à voir très tôt, quand on a 40, 45 ans, on commence à payer l'addition. Et le corps est comme un restaurateur, il te laisse consommer. Au restaurant, on ne vous présente jamais l'addition au moment où vous consommez. On vous laisse manger. Et ce n'est qu'après, on vient dire, tout ce que tu as mangé, il faut payer. C'est ce que le corps fait. Tu manges désordonné, tu fais des choses désordonnées à temps. Les normes, aide-moi à dire à ton voisin, les normes alimentaires. Aide-moi à le dire à Lingala, comme il kunda, yo mokota koza munoko. Il y a des mangeurs professionnels. J'ai vu des gens, des personnes minces comme ça, vous demandez, ils mangent pour 15 ou quoi? L'équilibre. Et nous avons l'avantage dans notre pays, des fois, il y a une diversité. Il y a des gens qui ne mangent pas les fruits. Et pourtant, ce n'est pas un luxe. Ailleurs, c'est un grand luxe. Norme. Je parlais de normes sur le plan alimentaire, normes sur le plan ministériel. Les ministères qui durent ne durent pas au hasard. Les mariages qui durent, ça ne dure pas au hasard. Il y a des normes à respecter. Et j'ai dit par rapport aux normes la fois dernière, qu'il ne suffisait pas de désirer bâtir des choses qui durent et qui ont la capacité de résister pour que cela arrive. Le seul désir ne fait pas durer. Et deuxièmement, j'avais dit qu'il y avait des choses à faire et à ne pas faire pour que nos choses résistent et durent. Et troisièmement, avant de finir, nous avons dit que pour faire que les choses durent, il y a non seulement des choses à faire et à ne pas faire, mais il faut détenir la connaissance. Il faut détenir des informations en quantité et en qualité. Et il semble que l'une de ces personnes détenait l'information. Et l'information qu'il détenait, c'était la force et la puissance des fondements. La force et la puissance de la fondation. C'est-à-dire, ce sur quoi tout le reste sera bâti. Bâti plutôt, j'allais dire. Le point de départ sur quoi tout le reste va reposer. Il connaissait la force qu'il y avait. Et nous avons dit un certain nombre concernant la fondation, j'estime nécessaire de rappeler. Premièrement, nous avons dit que la fondation était la partie invisible, mais ô combien essentielle. Deuxièmement, nous avons dit que la fondation n'exigeait pas la beauté ou l'aspect esthétique.
ceux qui contestent l'efficacité. J'ai jamais vu la fondation peint multicolore. Tout ce que l'on recherche, l'efficacité. Nous avons dit que aussi la fondation nécessitait un choix judicieux de matériaux en quantité et en qualité. Mettre la quantité de ciment qu'il faut. Mettre la quantité, je ne sais pas moi, des caillasses ou je ne sais pas. Ce qu'il faut. Il y a de l'expertise pour ça. Il y a des laboratoires qui étudient jusqu'où on veut construire en hauteur et comment grammage ou je ne sais pas moi que l'on doit mettre en place. Quatrièmement, nous avons dit que négliger la fondation ou la faire avec légèreté, c'est investir déjà pour la perte. Et nous avons dit aussi, concernant la fondation, elle demandait beaucoup d'attention. Et j'avais mentionné 1 Corinthiens 3:10, lorsque l'apôtre encourage certes à construire, mais il dit que chacun prenne garde la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde la manière dont il commence à faire des choses. Mais nous avons dit aussi que la fondation était la partie la plus petite du bâtiment, mais c'est elle qui détenait la force et la capacité de résistance de tous les restes. C'est des fois les 1/10, même des fois les 1/15 de tous les bâtiments, mais la force et la résistance du bâtiment viennent de là. Et puis enfin, nous avons dit qu'une bonne fondation, ce n'était jamais une option à prendre ou à laisser, mais c'était une obligation, un incontournable. Et en ces jours, nous voulons ajouter la troisième leçon que ce merveilleux récit, cette merveilleuse parabole nous enseigne. Cette leçon, c'est qu'il faut éviter la légèreté. Il faut éviter la légèreté. La légèreté dans la prise des décisions. La légèreté dans les choix. Et surtout les choix les plus importants de la vie. Parler de légèreté cache 3 idées. La première idée cachée derrière le mot légèreté, c'est un manque de sérieux. Manquer de sérieux. Manquer de considération. Que des gens légers. Un homme sérieux, une femme sérieuse, c'est quelqu'un qui agit avec réflexion. C'est quelqu'un qui ne plaisante pas dans le choix de la vie. C'est quelqu'un qui accorde de la valeur et de l'importance aux actes qu'il pose. Que des légers et même des légers à l'église. Les deux passages que nous avons lus qui accompagnaient Matthieu 7 nous parlent de deux personnes très légères. La première, c'est Ésaü. Légèreté plus plus. Il rentre, il a faim. Selon la coutume juive, c'est lui qui a la préséance. Si papa meurt, c'est lui qui a la succession. Mais voilà, il est affamé. Et il demande la nourriture à son frère. Et son frère est calculateur, profond, réfléchi, un peu roublard, mais réfléchi. Il dit, si tu veux que je te donne mon repas, vends-moi les droits d'aînesse. Regardez un homme léger. Il dit, que me sert les droits d'aînesse? Donne-moi la nourriture. Droits d'aînesse, pour lui, c'est une chose théorique, légèreté. Il ne va pas plus loin. Les légers ne voient que l'instant présent. Les légers ne voient que le supposé profit. Les légers ne voient pas plus loin que le bout de son nez. Donne-moi la nourriture. À quoi me sert les droits d'aînesse? Un autre léger, il n'a pas toujours été. Il est devenu, avec l'élévation, c'est David. L'élite d'Israël est allé combattre et lui, il est resté. Alors qu'il était sur le toit de sa maison, il a vu une femme qui s'est baignée. La Bible dit qu'elle était belle, la figure. Ses coups d'œil, le premier. Il n'y a aucun mal à cela. Mais c'est tout ce qu'il fait après. De qui était l'épouse? On lui dit de Uri le Hétien. Cet homme qui se bat sur les champs pour toi. Légèreté. Amenez-la moi. J'essaie de m'imaginer. Il s'est dévalué aux yeux de ceux qui l'envoient. Il s'est dévalué aux yeux de cette femme. Allez la chercher. Je m'imagine ces caporaux, ces soldats, ces regards. Ils disent, mais excellent, c'est la femme de toi, allez la chercher. Et quand cette femme arrive, ces gardes sont là,
Ils savent dans cette maison ce que le roi est en train de faire. Mon pasteur me disait, les gens peuvent vous craindre et ne pas vous respecter. Quand il sort, garde-vous. Bohémokonzi. Quand il part au bois vraiment. Ils les craignent, mais ils ne les respectent pas. Seigneur, aide-moi à être respecté. Et puis encore cette femme qui arrive, j'essaie de m'imaginer, la Bible ne donne pas de détails. Je ne pense pas qu'elle a cédé du coup. Bathsheba, je veux aller avec toi. Mais mon Seigneur, je suis marié et quoi encore? Je suis le roi, non? Allez, viens. Peut-être même qu'elle a dit, oh, c'est comme les militaires, garde-vous! Utilisant son autorité. Légèreté. Légèreté. Je disais, parler de légèreté, c'est un manque de sérieux. Seigneur, aide-moi à être un homme sérieux. Deuxièmement, parler de légèreté, c'est parler d'un manque d'attention. C'est-à-dire qu'il pose des actes sans considération et sans approfondissement. Ce que je veux faire, ça va produire quoi? Ce chemin que je suis en train de suivre, où est-ce que ça peut m'amener? Il y a des gens qui ne se donnent pas ce temps. Et troisièmement, parler de légèreté, c'est parler du défaut d'un homme dont le sérieux n'accompagne pas les actes posés. Le sérieux n'accompagne pas les actes posés. Et dans ce manque de sérieux, il y a la précipitation, il y a l'absence, et des fois la peur de la réflexion. Nous y reviendrons. La grande question que l'on peut se poser concernant l'homme de Matthieu 7, 26, pourquoi met-il autant de moyens, d'énergie et de temps en jeu pour quelque chose au mauvais endroit? Il avait sûrement beaucoup de moyens. Pourquoi décide-t-il de prendre tous ces moyens et de faire le choix de bâtir sur les sables? J'ai essayé de tourner ma tête. Qu'est-ce qui a dicté ce choix? Qu'est-ce qui l'a amené à être autant léger? Quatre raisons sont ressorties de cette étude. La première, peut-être qu'il ne savait pas. C'était un ignorant. Ignorant. Et par rapport à l'absence de connaissances, il y a différentes raisons qui font que les gens ne connaissent pas. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à l'information, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils ne savaient pas que bâtir sur les sables, c'est un mauvais choix. Il était sincère dans son choix, mais dans sa sincérité, il faisait la mauvaise chose. Il allait vers la mauvaise direction. Deuxième raison qui fait que des fois les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils ne veulent pas savoir. Certaines fois les gens n'ont pas accès à l'information, mais d'autres ne veulent pas savoir. Ils ont la possibilité de savoir. Ils peuvent poser la question aux gens. Voici, je veux faire, qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un peut être venu dire, je t'ai vu aller visiter cet endroit, il semble que tu veux l'acheter. Est-ce que je... Non! Jamais oublié. En 90, j'ai commencé à habiter UPEN. Et j'ai dû un jour me faire un vilain plaisir de coincer quelqu'un. Vous savez, à UPEN, il y a plusieurs endroits où... Des avenues, je n'aimerais pas utiliser ce terme ici, il n'est pas très adapté. Qui ne continue pas. Je n'aimerais pas l'utiliser ici du haut de la chair. Et moi, je connaissais l'endroit, je connaissais le coin. Et je vois un monsieur bien habillé qui vient et dit, je cherche tel endroit. J'ai dit, non, je ne pense pas. Il faut aller, on m'a dit qu'il faut aller jusqu'au bout. J'ai dit, aller jusqu'au bout, ça n'existe pas. Parce que ça s'arrête. Il dit, non, moi, je sais. Et puis, je l'ai vu courbé. Et c'est sûr, il s'est arrêté. Et je me suis bien assis. Je vois comment il regardait, j'ai compris, il disait, Mouton, n'a yo que la ki wanate,
Parce qu'il a presque discuté avec moi et je suis resté une bonne trentaine de minutes. Et je voyais comment il souffrait. Et ce n'est qu'après qu'il a bien consommé la souffrance, j'ai dit, oh, ok, maintenant je peux partir. Et je l'ai vu ressortir. Que des gens qui ont la possibilité de savoir, mais qui ne veulent pas savoir. Quantité d'informations tout autour disponibles, mais ils ne prennent pas cela. Troisièmement, les gens ne connaissent pas à cause du manque et d'absence d'humilité. Non seulement qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas au courant. Un homme de Dieu a dit, l'ignorant pour lequel il y a espoir, c'est l'ignorant qui sait qu'il est ignorant. Celui qui ignore et qui est conscient de son ignorance, c'est quelqu'un que l'on peut aider. On est en train de te dire, tu ne dis pas « dis » et tu dis « jiz ». On est en train, et tu reviens encore. Malheur à celui ou à celle qui ignore et ne sait pas. Il y a des orgueilleux. J'ai rigolé avec cette histoire en 87. On se retrouvait à la retraite de la jeunesse et on était en train de parler. Vous savez, certaines personnes sont complexées. Et on rigolait entre amis. Quelqu'un dit, tu nous matais avion. Toi, tu n'as jamais pris un avion. Tu sais, il y a un avion. Il dit, ok, n'a pas. Tu n'as rien à Goma. Tu as pris l'avion, tu es allé à Goma. Il dit oui. Écoutez la suite. Au moment où il y a la pomme de terre, il dit oh, la pomme de terre est belle. Dans celle-là, tu vois le cas, tu sois bouka bouka ngobo. Il m'a dit pomme de terre. Et puis, tu sois bouka bouka ngobo. Reconnais que tu n'es jamais monté dans l'avion. Ça t'écoute quoi? Mais j'ai un ami, lui, il était un peu mieux que ça. Il est pasteur dans une église à Matongé. Il a pris l'avion pour la première fois à 40 ans. Je me vois poser la question ici, qui n'a jamais pris l'avion. Je ne voudrais pas que tu puisses te dégonfler devant ton voisin. Ça, c'est lui-même qui me relate. Il dit, Roland, je monte dans l'avion. Et juste 10 minutes avant qu'on déconne, on dit, serrez vos ceintures. Il dit, j'ai jamais su comment on le faisait. Il dit, j'avais à côté mon neveu, le fils de mon grand frère. Et lui, il a bien serré. Et je le regarde, je lui dis, l'inga, le logo yokango, il faut foulan. Il dit, fungwana au natal. Et puis il revient encore. Kangana au sous-natal. Fungwana sous-natal à soroyebi. Ah, oyebi. Et en voyant notre frère, il a appris. Lui, au moins, il était intelligent. Mais qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui ne veulent pas reconnaître et qui ne savent pas. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie? Pourquoi a-t-il bâti sur le sable? Sûrement, peut-être qu'il ne savait pas. Sincère. Et il est allé vers la mauvaise direction. Deuxième raison qui a fait qu'il puisse faire les mauvais choix attachés à la légèreté, peut-être qu'il savait, mais qu'il était pressé. La précipitation. Non, faire la fondation, ça prendra du temps. Ça demande des études. Ça demande d'acheter les matériaux. Ça demande des races. Non, je veux quelque chose rapidement. Je suis peut-être en train d'être chassé quelque part. J'aimerais rapidement avoir une maison. J'aimerais vous dire, gare à la précipitation. Sûrement pressé. Il voulait tout avoir et tout de suite. Et cela l'a rendu négligent et ignorant des normes. Frères et sœurs, faisons attention à la précipitation. Quand je parle de précipitation, je parle de trop grande vitesse ou empressement à agir. À aller dans une certaine direction qui la plupart des fois exclut la réflexion. Il est rare que l'on agisse vite et bien
La plupart des fois, dans la précipitation, dans la célérité que l'on met à agir, la réflexion est exclue. Ou s'il y a réflexion, il y a une réflexion superficielle. La Bible met en garde contre la précipitation. Dans Actes 19, au verset 36, alors que la foule excitée vient agir d'une certaine manière envers Paul, un homme, le secrétaire du temple, appelle à la lucidité et à la réflexion. Écoutez ce qu'il dit. Cela est incontestable. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit, Roland, cette phrase concerne un jeune homme. Calme-toi. N'agis pas avec précipitation. Prends le temps. J'aimerais dire, tout le temps que tu prends avant de prendre une décision n'est jamais du temps perdu. Surtout si tu associes Dieu et tu veux réunir les paramètres. Dans Proverbes chapitre 21, verset 5, les sages déclarent, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Jeunes gens, je ne crois pas au coup de foudre. Tu l'as vu une seule fois à l'église, tes genoux se cognent, quoi? Et tu décides, c'est lui, c'est elle. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu les connais? Précipitation. Tu es venu à Kinshasa pour des vacances de 3 semaines. Et puis te voilà à l'église, tu rencontres une jeune fille. La semaine qui suit, près d'autres. Deuxième semaine, d'autres. Troisième semaine, mariage religieux civil. Attention! Précipitation. Dans Timothée chapitre 5 au verset 22, Paul donne un précieux conseil à son fils dans la foi. Il dit, n'impose pas les mains avec précipitation. Ne confie pas les tâches avec précipitation. Ne fais pas devenir certaines personnes, les amenant à un certain degré de responsabilité avec précipitation. Prends le temps. N'impose pas les mains avec précipitation. Et il ajoute au verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. J'aime la traduction parole vivante ou Alfred Quinn. Alfred Quinn dit, ne te décide pas trop vite à imposer les mains à quelqu'un. N'agis pas à la légère ou avec précipitation. Tu risquerais de te solidariser avec les torts d'autrui et de te retrouver impliqué dans la responsabilité de ces manquements. Ne te rends pas complice des péchés d'un autre. Garde tes mains pures. Ne te précipite pas. Ne va pas derrière les ailes de ce jeune homme. Oh, je ferai de lui ceci. Ne va pas simplement sa disponibilité. Prends le temps. J'ai appris ces techniques avec le pasteur Vernon. Et je les ai appliquées au début de Philadelphie. J'ai vu des gens venir avec zèle. Dieu m'a appelé. Dieu m'a dit, je travaillerai à tes côtés. Et puis durant 6 mois, blackout. Je le vois comme si je ne l'ai pas vu. Il vient avec empressement. Mais salut, oh pasteur, bonjour. Pour moi, c'est un test. Est-ce qu'il est venu pour l'œuvre de Dieu ou bien pour le poste? Et j'ai horreur quand quelqu'un me dit, pasteur, je sens que Dieu m'a donné un message. J'ai dit, ok. Merci pour le message. Mais tu chercheras là où prêcher. Dieu ne nous a pas appelés nous-mêmes à faire notre auto-promotion. Dieu peut travailler pour toi sans toi. Pas de précipitation. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3, verset 10, Paul, imposant les critères du choix des responsables, dira encore à son fils dans la foi de Timothée, parlant des diacres, écoutez ce qu'il dit, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Alfred Cohen dit qu'on les éprouve d'abord en les prenant à l'essai. Ne te précipite pas. Observe-les. Jeune fille, éprouve d'abord ce jeune homme. Jeune homme, éprouve cette jeune fille. Toi qui veux aller vers ce mentor qui te frappe, éprouve-les. Renseigne-toi les concernant. Comme je l'ai dit, le temps
passer à peser les pour et les contre d'un acte que l'on veut poser ou d'une option que l'on veut prendre, en étudiant les contours, les tenants et les aboutissants, les répercussions probables, ce n'est jamais du temps perdu. Proverbe 16, verset 20 dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Il y a un bonheur attaché à la réflexion. Dans Psaume 119, verset 59, le psalmiste dit, « J'ai réfléchi à mes voies. » Une autre version dit, « Je passe au tamis ce que je dois faire. Je passe au crible ce que j'ai à cœur de faire afin de bien me décider. » Donne-nous des gens qui ne se précipitent pas. Donne-nous des gens qui ne se jettent pas du cou. J'aime l'exemple d'Esther. Dans Esther chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, je suis épaté par la patience, les tacts et la maîtrise de soi de cette femme. Elle a une requête à présenter à son mari, mais elle a dû reporter la présentation deux fois pour finalement parler la troisième fois, sans précipitation. Elle cherche audience, les rois arrivent. Reine, qu'as-tu à demander? Si le roi les trouve bon, s'il peut revenir encore demain. Oh, il est là. Et le roi revient demain, si le roi les trouve bon, qu'il revienne demain, mais avec Aman. Pas de précipitation. Que des gens qui ne savent pas se maîtriser. J'ai deux amis, deux frères, deux jeunes frères. Tous les deux m'appelaient Yadalo. Je n'étais pas à Kinshasa, j'étais à Nairobi. Et j'ai appris un dimanche que le feu Jacques-André Vernon avait crié sur eux du haut de la chair. L'un et l'autre avaient tellement tâtonné dans leurs fiançailles. J'ai même une fois réécouté la cassette. Il a cité leur nom du haut de la chair en citant X et Y. J'apprends que vous êtes en train de jouer avec le cœur des jeunes filles comme des notes de piano. Il dit, si j'apprends encore que vous avez déçu une jeune fille, je vais vous chasser à l'église. Et l'église était silencieuse. L'un et l'autre me le diront. Ils sont sortis les deux, se sont retrouvés au jardin. Écoutez ce qu'ils se sont dit. La prochaine que je rencontre, je la prends en marée. La vie est trop sérieuse. J'aimerais dire aux jeunes gens, la vie ne s'écrit pas au brouillon, puis on écrit au propre après. Et les deux ont fait les choix qu'ils ont eu à faire, avec les conséquences que cela a eu entraîné. Seigneur, épargne-moi de la légèreté. Pas de précipitation. Prenez le temps. Ne laissez personne vous pousser. Certaines fois, des vocations à se marier viennent le jour du mariage. Tu assistes à une cérémonie, tu vois ton amigo. J'aime dire aux jeunes filles, ne vous mariez jamais par la foi. Je crois que ce défaut finira par partir. Je ferme les yeux sur ces manquements. J'ai rarement vu cette foi marcher. Et sur 10 cas, ça marche une fois. 9 fois, ça ne marche jamais. J'en ai parlé une fois ici, une jeune fille. C'est son droit d'avoir des critères. J'aimerais avoir un homme comme ça, clair d'état, avec une bonne barbiche, parlant bien français, et non pas un vélo, non pas un wewa, mais un véhicule. C'est ton droit. L'abbé dit, fais de l'éternité tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je veux quelquefois, des jeunes filles, elle attend, ça ne vient pas. Une jeune fille est venue me voir au bureau du pasteur, les critères, j'ai laissé. Maintenant, je veux un homme tout court. Donc, condition sexe masculin. Tu vas mépriser la taille. Il est petit de taille, tu es grande, mais demain ça deviendra un problème. On va te célébrer ici à Bâle, Inaye, à Long, Inaye. Et demain tu as difficile à t'afficher avec.
un problème résolu, un autre créé. Pas de précipitation. Troisième raison, cachée derrière cette légèreté, peut-être qu'au-delà de lui, il avait aussi un entourage constitué de personnes aussi légères que lui-même. Des personnes manquant de sérieux et des réflexions comme lui. Sûrement lui-même léger, mais il avait un entourage plein de légers. Qui vous entoure? Qui vous conseille? À qui vous prêtez l'oreille? Sûrement, comme je dis, lui-même ignorant, manquant de sérieux, mais entouré aussi des gens dans lesquels l'absence de sérieux des fois même pire que chez lui. Et si vous tongo n'est pas bien, Zouamboubaba. Vas-y, va dans cette direction. Il est dit, qui se ressemble, s'assemble. Quelqu'un dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Des fois, je n'ai pas besoin de savoir que quelqu'un est léger. Je vois qui, quel genre de personne l'entoure. Quand je vois son entourage, je sais savoir lui-même qui il est, quel genre de personne elle est. Frères et sœurs, qui t'entoure? À qui tu prêtes l'oreille? Vers qui tu te tournes lorsque tu veux prendre des grandes décisions? Lever les options. Proverbe 13 au verset 20 dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés, le mot insensé est aussi traduit par léger dans une autre traduction. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. La version française courante dit, la compagnie des sots amène les malheurs. La version parole de vie dit, si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis, des difficultés, des problèmes. 1 Roi chapitre 12, verset 13 à 14. Nous parlons d'un jeune roi qui accède à la royauté. Léger lui-même. Mais il prête l'oreille aussi aux personnes légères de son âge. Il va vers les personnes âgées qui lui donnent un bon conseil. Et puis les autres lui disent, ton père a eu à frapper les autres avec les fouets. Toi, utilise les scorpions. À qui tu prêtes oreille? Seigneur, est loin de moi les mauvais conseils. Que des choses n'ai-je pas entendues depuis 2008, quand l'église a commencé, Roland Demokoum, pasteur titulaire, le faux Kangali Toutou. Visage fermé. Roland, il faut créer un charisme, il faut créer un mythe autour de toi. Tu ne salues plus les gens là, mais quand quelqu'un veut te saluer, tu fais seulement. Qui t'entoure comme conseiller? De Chroniques chapitre 22, au verset 3, nous parle de l'un des plus mauvais rois que Juda ait connu. Et de la raison d'être de sa mauvaise royauté, son entourage immédiat, et plus précisément sa mère. Il avait dit, Akazia marchait dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère, Atali, lui donnait des conseils impies. Des conseils impies. Quatre choses que je voudrais que vous et moi nous puissions noter en rapport avec l'entourage. La première, l'entourage ne nous est jamais imposé. C'est toujours le fruit de nos choix. Quand je parle d'entourage influent. Les voisins de classe, on ne les choisit pas. Les voisins de bureau, on ne les choisit pas. Mais les gens qu'on laisse rentrer dans sa proximité, on les choisit. J'aime le dire souvent ici, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Je vous aime, mais restez là où vous êtes. Je suis sélectif. Je ne fais pas rentrer n'importe qui dans mon pré-carré. Je ne m'ouvre pas à n'importe qui. L'entourage ne nous est jamais imposé, c'est le fruit de nos choix. Quel entourage tu as choisi? Deuxièmement, l'entourage est révélateur. L'entourage révélera toujours qui nous sommes. Les genres de personnes que tu laisses tout autour de toi révélera aussi ta nature. Si on te voit entouré d'impudiques, d'infidèles, même si on ne t'a jamais attrapé, on se dit soit il est dedans, ou soit il en a le potentiel. Oh non, moi je ne sors pas
avec les femmes d'autrui, mais j'accompagne simplement mes amis en boîte qui vont avec leurs concubines. Mais moi, je n'ai personne. Un jour, tu finiras par avoir quelqu'un. Qui t'entoure? Troisième chose, si l'entourage peut nous influencer et nous pousser à faire certaines choses, les gens et l'histoire ne retiennent que celui qui a agi. On ne condamnera jamais l'entourage. Ah non, c'est l'entourage qui l'a poussé à faire. Quel que soit ce que l'entourage dit, toi tu peux dire non. J'aime, Abishai a voulu pousser David à tuer Saül. Il a dit non. La Bible montre encore l'entourage de David a eu une interprétation théologique. C'est Dieu qui t'offre, Saül. Il arrêta ses chants. Seigneur, aide-moi à dire non quelquefois à un entourage. Parce que comme je l'ai dit, l'histoire et les gens ne condamneront pas l'entourage. Ils te condamneront toi. Oh non, j'ai épousé cet homme parce que maman voulait. Parce que toute la famille m'épousait. Le pot cassé, c'est toi qui vas payer. Maman qui te pousse à une espérance de vie de 15-20 ans. Toi, tu as encore 40 ans devant. C'est toi qui vas payer le pot cassé. Quelle décision tu prends? Quelle option tu lèves? Quatrième chose par rapport à l'entourage. L'entourage n'est jamais neutre. Il n'y a jamais d'entourage neutre. Notre entourage, soit tu nous rends meilleur, soit tu nous rends pire. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le ministère, j'ai des gens qui ont commencé à venir vers moi. À moi, j'ai commencé à m'attacher à ces personnes. Et puis, j'ai constaté le style de vie qu'ils ont. Je me suis éloigné. Poliment, j'ai coupé les ponts. Ils se plaignent. Je lui dis, plaignez-vous. Banga Makambo, Makambo Banga. Je me contente de Ken, je me contente d'Olivier, je me contente de Mbouma, je me contente des pasteurs Véran, je me contente de tirer des personnes qui craignent Dieu. Oh non, je veux des connexions. Attends, tu en auras. Connexions qui t'amèneront en enfer. J'en parlerai tout au long de la semaine. Un jeune homme est venu me voir il y a 6 mois. Il commençait à côtoyer un homme de Dieu et puis cet homme de Dieu lui a dit, mais tu vois, c'est ce miracle qui se font dans mon ministère. Vous pensez que tout est gratuit? Il dit un soir, il dit, je vais t'amener à un endroit. Il a amené au cimetière de Kimbanseke. À 0 heure. Avec 3 boîtes de sardines, ils ont ouvert, ils ont commencé à faire des incantations. Puis il y a eu comme un vent. Il dit, je n'ai pas pu dire à ma femme. J'ai dit à ma femme que je suis allé à une veillée. Mais Dieu merci, il avait une femme alerte. Quand il est rentré, sa femme dit, j'ai vu que tu étais dans un cimetière. Elle a dit aux Andro, Kindo qui était. Seigneur, donne-moi si mon homme fait des choses en coulisses. Moi, là où je serai, je sois comme cet homme. Il dit, quand il se prosterne, ses yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que les dons spirituels agissent dans l'église avec efficacité. Je n'ai jamais oublié un prédicateur de Dieu français qui est maintenant décédé, Pierre Trochel. J'étais attaché à une famille dont la plupart sont maintenant aux États-Unis. Cet homme avait, des dons spirituels terrible. Je me suis retrouvé 3 fois chez ses amis, ils habitaient à ma campagne. Quand il arrivait, si tu avais commis des dégâts, il ne fallait pas aller ouvrir les portails. À peine tu les salues et dis, oh, je vois hier à 22h10, tu retirais 2 billets de 10 dollars dans les sacs des mamans. C'est pas bien de voler. Hein? Et l'on pouvait désormais dans cette famille savoir qui marchait dans la quiétude, dans la sainteté. Quand Pierre Trouchel a venu, c'est qui? C'est lui qui fouillait, on savait dire, toi viens. Commencer à donner des consignes au loin. Fais entrer la main en bas. Tire les poignets. Parce que personne ne veut s'avancer. Que Dieu fasse encore ces choses au milieu de nous. Quatrième raison, je vais terminer par l'avant de clore. Ça, c'est par rapport à l'entourage. C'est moi les prédicateurs. Quatrième raison qui a fait que cet homme fasse montre de légèreté. Au-delà de l'entourage. Peut-être qu'on lui avait parlé, on lui avait fait savoir et prendre conscience de son mauvais choix, mais il était orgueilleux. L'orgueil. L'orgueil. Imbu de lui-même. Pas ouvert aux autres.
que des gens qui sont engagés dans une mauvaise voie, quelqu'un a voulu les arrêter. David veut s'engager dans cette voie. Joab lui dit, maître, pourquoi tu ferais ce dénombrement? L'abbé dit, il persista dans son ordre. L'orgueil, on ne veut pas écouter les orgueilleux. Ont un sérieux problème qui se présente en deux symptômes. Le premier symptôme, ils pensent que faire ce que les autres disent ou proposent, c'est s'abaisser, c'est perdre ou c'est dévaluer aux yeux des autres. Deuxièmement, les orgueilleux pensent que demander la vie des autres et surtout finir par faire ce que les autres ont proposé, c'est donner un ascendant, un pouvoir aux autres. C'est pourquoi ils s'entêtent. Je dois faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Frères et sœurs, retenez bien ces deux principes. Personne d'entre nous ne connaît tout et ne se suffit par lui-même. Deuxième principe, les principes de la vie et la complémentarité, ainsi que la dépendance. C'est-à-dire, il y a des choses qui appartiennent à notre progrès que Dieu a placé dans les autres. Combien de fois, en tant que tétée, là, j'ai mangé du bon pondou. Et j'ai oublié de me brosser les dents avant de partir. Et il y a un bon drapelet là, que je ne vois pas. C'est mon épouse vient qui va me dire, Roland, il faut un petit coup de brosse. Sinon tu vas approcher, tu dis, alléluia, les gens rigolent. Tu penses que c'est l'onction du message. Jamais oublié quand Viviane et moi on s'est connus. Elle m'invitait chez elle avec sa maman en famille manger. Ah, les remarques. Ça vous fait mal, mais ça vous aide. Une fois, elle me prend à côté. Roland, tu sais, tu ne sais pas manger à table. Tu fais trop de bruit avec ta bouche. Et vous savez, c'est difficile d'être jugé par Dieu. Ces bruits, ça n'existe que pour les autres. Nganazoyo Kangode. Roland, je ne sais pas ce que tu manges, mais la plupart des fois, tu as mauvaise haleine. Et ce n'est pas évident que la mauvaise haleine que tu as, que toi-même tu puisses, ça te coûte quoi d'écouter ce que l'autre dit? Un prédicateur veut monter sur la chaire. Il a oublié de bien fermer son pantalon. Lui, il ne voit pas. Tu viendras prêcher, tu deviens une distraction. Mais quelqu'un d'autre a vu. Il t'appelle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je suis un homme de Dieu. L'humilité. En terminant ce jour, j'aimerais que vous puissiez noter ces cinq choses en rapport avec la légèreté. La première, c'est que les sanctions de la légèreté ne sont pas toujours simultanées à nos actes de légèreté. Je peux être léger maintenant, mais les sanctions vont suivre après. Deuxième des choses que je voudrais dire, la légèreté peut durer un instant, mais les fruits ou les conséquences des actes de légèreté peuvent nous accompagner toute une vie. David a été léger un petit moment. Mais écoutez ce que 2 Samuel 12 dit, nous parle des sanctions presque intemporelles causées par un moment de légèreté. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Mais la légèreté n'a duré que peut-être 15, 20 minutes. 15 minutes de réjouissance. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ésaü a été léger un petit moment, mais la Bible dit, voulant plus tard récupérer, malgré les larmes, il n'a pas pu avoir ça. Seigneur, épargne-moi de la légèreté. Légèreté. Je terminerai avec cet exemple tout à l'heure. Troisième chose, il y a des positions qui ne permettent pas la légèreté. Car les conséquences des actes de légèreté vont souvent au-delà de nous, les personnes fautives. Ça touche ceux et celles avec qui nous sommes connectés. Si Roland Dallot est léger, si Pasteur Ken est léger, si Pasteur Véran est léger, c'est la réputation de Philadelphie qui va en souffrir. Nous sommes l'extrait pasteur René Koboana. Et pourtant, c'est Roland qui aura été léger.
J'ai jamais oublié. Je reviens de Nairobi en 98 et j'ouvre la télé. J'aurais pas voulu être la femme de cet homme. J'aurais pas voulu être sa fille, Chelsea. Il s'appelait Bill Clinton. Il a vu une jeune stagiaire venir dans son bureau. On sait l'histoire. Un petit moment de réjouissance. Il semble répéter deux ou trois fois. Et plus tard, ce grand homme d'État devait se présenter devant un jury avec le procureur Kenneth Sarr, vous vous souvenez? Obligé de donner des détails. Comment ça s'était passé, monsieur le président? Et sa présidence était en jeu. On voulait pour l'une des rares fois dans la présidence des États-Unis faire ce qu'on appelle un impeachment. Obligé, je me demandais, quand il rentrait, est-ce qu'il regardait sa femme? Sa fille pouvait-elle encore sortir? Seigneur, épargne-moi de la légèreté. Si j'étais léger demain, Seigneur, qu'en arrêtant la wapi? Olivier se promènera où ici à Kinshasa? Vivien sera obligé de porter des postiches. Eunice va fuir, il ne sera plus Eunice Dalo, il deviendra Eunice Dollar. Il y a des positions qui ne permettent pas la légèreté. Pasteur Ken, le jour où tu seras léger, je ne vais pas te maudire, je vais te cogner. Alingala nako betayo. Olivier Bsangaye, soko meki nako betayo. Voilà. Il a bien dit, pasteur Obiako betayo. Mbuta feron osa kulutu. Soko meki nako ngumayo. Et je parle en présence de ton fils qui est à tes côtés. Nga peso kuna meki bongu mangaye. Quand j'ai ajouté cette partie, le pasteur Véron s'est détendu. 4e et avant-dernière chose. Si la légèreté évite et écarte souvent la réflexion avant et même au moment des choix et de la commission de certains actes, la réflexion que la légèreté évite s'invite toujours après quand les conséquences sont là. J'aimerais le répéter. Si la légèreté écarte la réflexion, l'évite. Cette réflexion que l'on évite au moment, elle finit par vous rejoindre quand les conséquences sont là. Vous commencez à réfléchir. Matthieu chapitre 27 nous parle d'un homme qui a été léger. Matthieu 27, 3, 5, Judas. Léger au moment de la commission de l'acte. Mais quand les conséquences arrivent, écoutez ce qu'il dit, j'ai péché. Il va rendre l'argent. Trop tard. Seigneur, aide-moi à ne pas avoir une sagesse tardive. Cinquièmement, et je termine par là. Celui ou celle qui évite la légèreté et agit ou décide d'agir avec réflexion, s'évite des tourments. Celui ou celle qui agit avec réflexion et évite la légèreté, s'évite et s'empêche des tourments. J'en ai parlé lors du séminaire passé. J'ai un aîné qui m'a influencé dans le ministère à Lausanne. Il s'appelait Jean-Claude. Né de nouveau depuis les années 76-77. Il a influencé toute une génération. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire des délivrances comme ça. Et puis un beau jour, on a entendu des bruits vers Cité Baudouin. Les jeunes gens les faisaient traîner presque nus. Son église, il y avait un hangar qui pouvait contenir 1000 personnes, cassé. Le soir, sa femme est partie avec les 3 enfants. Je l'ai revu encore il y a quelques temps, il me dit, jeune homme, durant 6 mois, j'ai pensé au suicide. J'ai voulu me suicider. Je l'ai fui, aller à Chicapa et désormais je fais du commerce. Et pourtant, un homme qui avait un potentiel ministériel fantastique. Il était en train de faire la délivrance d'une jeune fille. Je comprends pourquoi Jésus envoyait 2 à 2. Il faisait seul dans une petite pièce. Et il dira, cette jeune femme était en panne. Et puis au moment où les démons se manifestaient, le panne est parti. Un petit instant de folie.
un petit moment de légèreté. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à la toucher. Et je suis allé plus loin. Et j'ai commencé à aller avec. Et les jeunes gens qui étaient tout autour ont entendu du bruit qui ressemblait à autre chose qu'à la prière. Et ils ont cassé la porte. Et ils m'ont trouvé. Ils l'ont cogné. Sa femme a su. Elle est partie, mais sous discipline. Le jour, il m'a parlé de Roland, en me citant son nom. Ne sois pas un autre Jean-Claude. Tire les leçons de ce qui nous est arrivé et ne sois jamais léger. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et je prie que ni ici, ni à l'Sanga, que personne ne bouge, que la porte me soit fermée un petit moment. J'aimerais lancer un double appel et puis nous allons prier. Y a-t-il ce matin ici au centre missionnaire Philadelphie des hommes et des femmes qui, dans leur chair, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, portent les séquelles et les marques de la légèreté? Tu as fait montre de légèreté dans la prise d'une décision. Tu as refusé d'écouter, tu as été orgueilleux, tu t'es précipité, je ne sais dans quel domaine. Mariage, affaire. Et comme je l'ai dit, la réflexion que tu as évitée au début, elle t'a rejoint après. Et là où tu es, assis, assise, des fois tu veux éviter ça, mais les remords reviennent, la culpabilité, les si j'avais su. Ne veux-tu pas ce matin te repentir en disant deux choses, Seigneur? J'ai été léger. Car la Bible déclare celui qui reconnaît ses transgressions, qui les avoue, et sous tous les délais obtient miséricorde. J'ai été léger. J'aurais dû écouter. On m'a prévenu. Je me suis précipité. J'ai été inconsidéré. Mais vous voulez dire aussi une deuxième chose, Seigneur. Autant je te demande pardon pour cette décision légère et pour laquelle les conséquences me suivent aujourd'hui. Autant je te demande, Seigneur, redonne-moi une seconde chance. Aide-moi à corriger les conséquences de ces mauvais choix et à repartir sur de nouvelles bases. Si telle est la décision que vous voulez prendre à cette heure, n'hésitez pas ici à l'Isanga. Levez-vous. J'ai été léger. Cette légèreté est peut-être à la base de cette maladie que tu as dans ton corps. Les gens ne connaissent pas. Cette légèreté a fait que tu perdes un travail. Cette légèreté a fait qu'une porte se ferme. Quand je priais, Dieu m'a dit, il y a des jeunes gens, fils et garçons, qui autrefois papa vivait avec des moyens. Ils négligeaient les études, légers. Ils pensaient qu'ils auront toujours le temps. Et les parents sont partis. Et aujourd'hui, en regardant, en se comparant avec les autres, ils se rendent compte qu'ils ont pris du retard dans la vie. Et ils se disent des fois, si la sagesse que j'ai aujourd'hui, je l'avais autrefois. Si les côtés réfléchis que j'ai aujourd'hui, je l'avais autrefois. Mon aujourd'hui serait différent. Parce que mon hier, je l'aurais abordé différemment. Je le sens dans mon cœur, il y a encore plusieurs, et ici à l'Isanga, qui doivent s'élever, qui doivent assumer, léger j'ai été. Il y a peut-être certains, ta vie de couple ne marche pas. Tu vis un calvaire. Rien ne va entre ton épouse et toi, ton époux et toi. Et peut-être même tu as connu un divorce. Et tu sais que tu as été léger. Deuxième et dernier appel que j'aimerais lancer. Comme un vaccin, derrière cet appel, moi-même je me lève. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'orée des grandes décisions, des grandes options à lever, et qui veulent dire, Seigneur, épargne-moi de la précipitation. Épargne-moi de la légèreté. Aide-moi à ne pas être léger. Aide-moi à ne pas être léger.
légèreté dans les langages, légèreté dans les comportements, légèreté dans la manière d'élever les options. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin. Oui, de toi. Je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Oh, Seigneur. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Oui, de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais. Tu le sais. Disons-lui, comment pourrais-je vivre? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis? Garde-moi. Je suis en train de voir les chiffres 8 et je vois 5 ici à la Puisette et 3 à l'Isanga. Je suis en train de voir le mot scandale écrit au-dessus. Et puis Dieu me dit, je veux éviter ce scandale. Il y a 8 personnes, dont 4 qui sont actifs dans l'œuvre de Dieu. Depuis la fin de l'année passée, Dieu vous prévient par plusieurs que le diable veut vous frapper pour qu'un scandale arrive par vous. Et même parmi ces 8, il y a 3 qui connaissent un degré de tentation qu'ils n'ont jamais connu. Et parmi ces 8, il y a ces 3 qui connaissent non seulement un degré de tentation inimaginable, mais il y a 2 qui, depuis quelque temps, sont presque à la frontière de la chute. Tu as commencé à faire des choses que tu ne devais pas faire. Et vous deux, vous vous dites, j'irai dans cette histoire de là jusque là. Dieu me dit, le message de ce matin est un dernier avertissement. Je ne sais si vous pouvez ce matin avoir suffisamment d'humilité, vous, ces 5 qui êtes ici et ces 3 qui se trouveraient à l'Isanga. Avancez-vous devant et mettez-vous à genoux alors que nous réchantons encore. Seigneur, prends soin de moi. Ce dimanche est un dimanche de vaccination. Un dimanche où Dieu veut désamorcer les crises. Dieu me dit, parmi ces 8, si vous ne levez pas les options, je vois dans 6 mois, quelqu'un de vous va penser au suicide. À cause du scandale, à cause du bruit. Seigneur, Seigneur.